À moins de quelques jours du congrès constitutif du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo reçoit à nouveau un terrible soutien contre le président Ouattara pour les élections de 2025. Que se passe-t-il en réalité? Laurent Gbagbo frappe un coup dur au RHDP. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. À 5 jours du congrès constitutif du président Laurent Gbagbo, voici les personnalités africaines et européennes attendues en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo envoie un message à travers le biais du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP, Pro Gbagbo. Oh, en ce moment, grand-père, mon ex. Non. En ce moment, il est mon ex. Mais parce que c'est un homme extrêmement infidèle. Aïe. En ce moment, c'est mon ex. Bon, d'accord, tu dis qu'il est infidèle, mais pourtant, je sais pas. Bon. 4 mois après son retour en Côte d'Ivoire, après 10 années de prison à la Cour pénale internationale en abrégé CP et de liberté conditionnée à Bruxelles, le président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, devrait les samedis 15 et dimanche 17 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody porter sur les fonds Bastimo, son nouveau parti politique. On regarde une vidéo et puis on se retrouve dans quelques instants. Ok. Extrait. Cette formation politique dont on ignore pour l'instant le nom à travers la Côte d'Ivoire sera fondée par plus de 1600 congressistes issus des différents mouvements politiques et associations proches du président Gbagbo. On n'a pas la photo, c'est l'exclusivité. Ils sont dans les points quand même. Hein? Ne attends, partagez mais... pas. Oh, non, oui. Donc mets-toi là. Non, hello. Moi, j'ai une photo, dans une photo, nous tenons ça. Et venez avec. L'enjeu est de mettre sur pied une force politique qui rassemble les idéaux de gauche, de partage, de démocratie, de liberté, de prospérité et de solidarité, et d'arriver à capter les Ivoiriens pour en faire un grand instrument de lutte où tout le monde se retrouvera. Voilà, les bas, je passe de commentaires. Mais après l'amour, c'est pas la guerre. Oui. Je l'aime beaucoup et je le soutiendrai toujours. Mais, là, mais en ce moment, comment voulait... Plusieurs personnalités africaines et européennes sont attendues durant ces 2 jours de festivités en Côte d'Ivoire. Notre confrère du journal L'Inté, dans son édition parue il y a cela quelques-uns, a dévoilé la liste des personnalités africaines et européennes attendues. Il paraît que c'est le challenge. C'est ça. Où les femmes essaient de porter les hommes. Okay. Donc c'est comme ça qu'on a essayé. Je l'accompagne à l'aéroport. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai essayé. D'accord. Tu dis qu'il est fidèle. Mais les avocats de Grand P. On note les anciens présents tels que nous avons entre autres Mamadi Issoufou, le président du Niger, Nicéphore Soglou, celui du Bénin, et Thabo Mbeki, celui de l'Afrique du Sud, les amis, comme le Congolais Jean-Pierre Bemba, avec lequel le président Laurent Gbagbo a passé une partie de sa période de détention à la Cour pénale internationale en abrégé CP, ou encore Guy Laberti. Parce qu'en ce moment, le torchon brûle entre vous. Nous envoyons aussi une vidéo qui est une pièce à conviction. Mmh. On regarde et puis on revient, on va, voilà, on va voir qui vraiment est infidèle. Regardez. L'ancien monsieur Afrique du Parti Socialiste en abrégé PS français ont été sollicités tous à Abidjan, tout comme plusieurs députés français, dont le communiste Jean-Paul Lécop a annoncé l'Inté. Bon, voilà. Non, ça c'est une vieille vidéo, je ne connaissais même pas encore.